Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui fait suite à la précédente qui est sortie il y a à peine 2 jours sur laquelle j'organisais un concours pour gagner un Rubik's Cube à l'occasion de mon 1 000 000 d'abonnés sur TikTok. Et si cette vidéo sort, et bien c'est que l'énigme est déjà terminée, quelqu'un a réussi à la résoudre, hein, bon, elle était plutôt courte, c'est Copatatens sur Discord qui l'a gagné. Et maintenant je vais pouvoir vous montrer les étapes qu'il fallait suivre pour réussir à trouver le cube qui était à gagner. Alors vous allez voir, l'énigme est plutôt courte, mais fallait vraiment être malin et chercher aux bons endroits, il n'y avait pas forcément d'indication dès le début. Donc et bien fallait faire un petit peu au feeling, et je vous l'accorde que ça par contre c'était pas très facile et un peu démotivant. Alors l'énigme part évidemment de la vidéo. À un moment je montrais tout simplement les paliers que je passais au niveau des abonnés, et il fallait additionner tous les chiffres des likes de mes screens tout simplement. Et la petite difficulté supplémentaire, c'est qu'il fallait considérer la virgule comme le passage au décimal, donc ça donnait un résultat si on additionnait tout de 3088,6 et pas plusieurs millions comme certains ont trouvé. Avec ce chiffre ensuite il fallait trouver tout simplement où il se cachait, donc il se cachait sur mon serveur Discord. Avec une simple petite recherche en haut à droite, on trouvait directement un message, et sur ce message Discord il fallait rajouter la réaction du petit Rubik's Cube qui se résolvait pour tout simplement débloquer un salon. Et quand on va dedans, on a déjà la partie gauche du QR code, et ensuite on avait la petite phrase je deviens chaud au 5x5 avec mon lien qui redirige vers mon compte TikTok. Et là on peut directement voir dans les TikTok plutôt récents une vidéo où je fais un 5x5 en dessous de 2 minutes, donc c'est un très bon temps pour moi. D'ailleurs à ce moment là c'est mon PB2. Il suffit de regarder la vidéo jusqu'au bout et de regarder le temps que j'ai fait. Donc j'ai fait 1 minute 54 secondes et 649 millièmes. À ce chiffre, il fallait enlever tous les points et tous les virgules, ça faisait 154 649. Et ce chiffre, eh bien, c'était tout simplement le nom d'une playlist sur ma chaîne YouTube. Il suffisait de la lancer, on regarde la vidéo, et sur 1/10 de seconde, on a la deuxième moitié du QR code qui apparaît. Donc là, il fallait faire pause au bon moment, et ensuite, il suffisait juste d'assembler les deux bouts de QR code, de le scanner, et ça renvoyait directement sur la page plus de cubes, tout simplement du cube qui était à gagner. C'était le Weilong WRM V9 Maglev, pas le Balcor le plus haut de gamme, hein, c'était le milieu de gamme, ce qui est déjà très très bien. Et l'énigme est donc déjà finie, donc comme vous avez pu le voir, c'est plutôt court, mais il fallait savoir où chercher, que faire avec les chiffres, etc. Donc c'était plutôt compliqué quand même. En tout cas, j'espère vraiment que ce giveaway vous a plu. Merci encore à Plus de Cubes qui offre entièrement le cube. N'hésitez surtout pas à aller sur leur site plusdecubes.fr, vous avez moins 5% avec le code Néanto tout en majuscule. Et puis évidemment, si les abonnés continuent à monter, je continuerai à faire des giveaways. Merci infiniment d'être aussi fidèle, et puis on se retrouve dans même pas une semaine pour le prochain ActuCube.